Enquête sur le décès du général Kahambi, la présidence lève l'équivoque. Kassom Ngomouema, porte-parole du président de la République. La présidence de la République vient de lever l'équivoque sur l'enquête concernant le décès du général Kahambi. Intervenant sur la chaîne nationale, le porte-parole du président de la République a souligné que la mission onusienne en RDC ne pilote pas l'enquête sur la mort inopinée du général Delphin Kahambi, patron des renseignements militaires, cette tâche revient plutôt aux juridictions congolaises compétentes. Kassom Ngomouema précise que la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a été sollicitée pour donner son concours technique et scientifique. Rappelons que lors du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a fait savoir, dans son compte-rendu, que le président de la République avait institué une commission d'enquête sous l'initiative de la MONUSCO pour faire toute la lumière sur les circonstances du décès du chef des renseignements militaires en RDC. Cette communication du chef de l'État a suscité une vive polémique, surtout que le chef d'état-major général de l'armée congolaise venait d'instituer, à la veille, une commission d'enquête sous la direction du général Mbangu pour élucider les circonstances qui ont entouré la mort du général Kahambi. Ci-dessous, le texte de mise au point lu à la télévision nationale par le porte-parole du chef de l'État Kassom Ngomouema Yambayamba. Contrairement à certains propos repris dans le point 4 de la communication du président de la République, propos repris dans le compte-rendu de la 24e réunion du Conseil des ministres, l'enquête sur le décès du général Kahambi a été confiée aux autorités congolaises compétentes et non à la MONUSCO dont ce n'est pas la vocation en RDC. Le concours de la MONUSCO a été requis sur le plan technique et scientifique uniquement dans ces deux domaines-là. Source Média Congo Presse / Média Congo.net.